Et voilà parti pour 1600 mètres dans ce Qatar Grand Handicap des Milers, présenté par RMC sans lasque à Larry Gold, avec un bon départ côté corps de Ready Dream, avec également Kapstadt, accélération à l'extérieur du 13 de Koenig Bernard, avec également à l'extérieur Best of Order qui vient près de la tête en compagnie du gris Polarix, suivi par Silver Green, avec à l'extérieur American Peak qui est devant Sorrelino, le numéro 12, avec également Gris de Rêve, Orif qui sont au sein du peloton, avec un peu plus loin Gogarty, le numéro 3, Kazakh Cerclé à gris et orange pour aborder la descente. Tout à l'extérieur via Mal au sol, avec côté corde un peu plus loin Zayadé, avec également le numéro 11 Pont-Neuilly en queue du peloton Metal Rocket, est opposé de l'Espagnol. Il y a quelques remous dans le peloton. Et en tête de ce peloton, toujours le numéro 13, Koenig Bernard, qui a donc le meilleur devant le numéro 7, Best of Order, qui est deuxième. En troisième position, à la corde, le numéro 5, Kapstadt, qui vient encore avec American Pete, qui se rapproche maintenant complètement à l'extérieur. Sorrelino, qui vient ensuite cinquième avec le favori Polarix devant Silver Green. On retrouve également le numéro 6, Orifé, avec Ready Dream, qui est toujours côté corde, alors que Sargas se rapproche devant Mal au sol. On retrouve également Gogarty, notamment, qui vient à l'arrière, suivi par le numéro 10, Metal Rocket, et par le numéro 18, Antares, qui est en dernière position. Ils sont encore groupés pour aborder la dernière ligne droite. C'est le 13 Koenig Bernard qui est le meilleur, avec Best of Order, avec Polarix, avec également American Peak. Côté corde, Kapstadt n'a pas ses aises devant Ready Dream, avec Silver Green à l'extérieur qui se rapproche en compagnie de Sargas, de Sorrelino, et tout à l'extérieur du numéro 10, Metal Rocket. Avec Koenig Bernard qui tente de repartir maintenant, Ready Dream qui a plongé côté corde, Polarix, Silver Green qui se rapproche, Sargas également qui refait du terrain, avec Metal Rocket maintenant complètement à l'extérieur. Koenig Bernard, Ready Dream pour la victoire, Ready Dream qui est maintenant côté corde, Ready Dream qui va finalement s'imposer. Deuxième place à voir entre Polarix, Koenig Bernard et le numéro 18, Antares, qui a très bien terminé à l'intérieur. Ready Dream, le numéro 17 qui s'impose, qui s'est faufilé dans un trou de souris. Alors, c'est un cheval qui avait la réputation de préférer les pistes pas trop souples, un cheval de PSF, ce qui explique sa cote, hein, parce qu'au papier, il avait montré de belles choses dans ce style de tournoi. 34 contre 1, il est venu ajuster tout le monde. La deuxième place pour le numéro 20, Polarix, 5,90€. Le 13, Koenig Bernard, court très bien. Il est troisième à 14 contre 1. Et Gris de Rêve, qui aurait joué la gagne s'il avait eu l'ouverture plus tôt, est quatrième à 9,10€. La cinquième place est importante, puisqu'il y a un pic 5. Photographie entre le 14, Sargas, Outsider, et le numéro 16, Courque.